Salut les amis, salut tout le monde, une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée, Afrique TV. Aujourd'hui, on s'étape une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons l'arrivée extraordinaire de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibarfouré Soro, qui prépare un terrible coup contre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge du en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en exil depuis 2019, a frôlé le sol de Ouagadougou ce mardi 21 novembre 2023, selon un communiqué de son parti, accueilli dans le contexte diplomatique tendu entre Ouagadougou et Abidjan. Le leader politique ivoirien est attendu en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Une arrivée aussi discrète et remarquable de M. Soro Kibarfouré Guillaume est arrivé ce jeudi à Ouagadougou où il a atterri à 12h15 GMT, a annoncé ce mardi 21 novembre 2023 Génération et Peuple Solidaire abrégé GPS dans un communiqué. L'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire a attendu en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'après-midi. Une audience qui sera suivie de déjeuner informé Moussa Touré, son chargé de communication. Cette rencontre, selon ce dernier, revêt un caractère important pour M. Soro en raison des relations particulières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays voisins et frères. L'arrivée de Soro Guillaume à Ouagadougou survenue quelques jours après un entretien en Niamey avec le chef de la junte au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tchiani. Elle survient également dans un contexte délicat entre le gouvernement ivoirien et burkinabé, marqué par le rappel des pensionnaires de l'école militaire préparatoire technique abrégée EMPT. En Côte d'Ivoire, en retorsion à une situation similaire impliquant les Ivoiriens aux prisonniers militaires de Djoko, abrégé PMK. La présence de Soro dans le pays limitrophe survient aussi alors que les négociations discrètes entre Ouagadougou et Abidjan seraient en cours concernant la frontière entre les deux pays. Quelques mois après l'arrestation de deux gendarmes ivoiriens ancrés accidentellement en terroriste au Burkina Faso, l'ancien chef de la rébellion qui tenait le contrôle de la moitié nord de Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait apporté un soutien militaire à Alassane Ouattara pour parvenir au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011 face au président en exercice Laurent Gbagbo. Il a occupé la fonction de premier ministre d'Alassane Ouattara, puis est devenu président de l'Assemblée nationale en 2012. Cependant, une rupture a eu lieu au début des années 2019 en raison de ses aspirations présidentielles. En juin 2021, Guillaume Soro a été condamné en Côte d'Ivoire à la réclusion à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir orchestré une insurrection civile et militaire en vue de renverser le régime du président actuel Alassane Dramane Ouattara en 2019. En avril 2020, il avait déjà écopé d'une peine de 20 ans de prison pour le délire de recel de détournement des derniers fonds publics.
Et bien les amis, c'était tout le site pour une repétition informative. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du plan que Guillaume Soro est en train de préparer contre l'actuel président de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Diamant Ouattara. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge si tu es en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis. Bye bye.